peut-être. Ouais. Ah, le voici. Ah. Attention. Hulk. Dani Alves. Hulk. Passe Lima. Ah, est allé. Bien, à force d'avoir été un petit peu en dedans, de pas vraiment avoir forcé. Et le verrou péruvien, quand il fallait, ils n'étaient pas les bris. Bon, alors là, c'est vrai qu'il y a une erreur monumentale du corps arbitral qui est venu un petit peu, malheureusement, entre... Pour être franc, sur le direct, on n'avait pas vu. Allez, c'est parti, ça continue. Non, mais ça va trop vite sur le direct. On revient sur le jeu. Ok, il est devancé par Ramos. Il commence avec ces 10 dernières minutes. Le Brésil va doit absolument marquer un but. Philippe Luis. Bien jeu de la part de Polo. Hulk. Ah, c'est pied gauche. Franco. La puissance de Hulk. Et il a raté le ballon, Coutinho. C'est pas possible. Il a raté le ballon. Philippe Luis toujours. Oh, il y a une légère faute. Légère faute qui sera pas sifflée par Monsieur Cunha. Récupérer ce ballon par Hulk. Ouais, ça c'est un très très bon ballon. Il va falloir y aller. Il y a du monde. Attention, retrait. En retrait, il y a Hulk, mais il y a également Rodriguez qui peut dégager. Dani Alves. Hulk dévie ce ballon vers Lucas Lima. Ouais, il colmate vraiment toutes les brèches. Ils défendent. Ils y sont. Ouais, Yutun qui fait l'effort. William. Dani Alves. On sent, on entend sur les bandes touches, il y a beaucoup de pression, de consignes. Oh là là. Oh ouais, de Galese. On attend toute la nuit. C'est clair. Ça c'est sûr. Alors l'Uruguay est éliminé. Est-ce qu'il voulait que le Brésil accompagne l'Uruguay? Attention à la maison Hulk, attention. Le centre de Hulk. Oh, encore Ramos. Il faut se battre Gilles. Ballon. Oh,